C'est une idée de l'ancien maire, Olivier Léonard. On avait deux possibilités, c'était soit démolir un tel bâtiment, c'est comme du travail, ou se dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui a du sens, qui serait vraiment nouveau pour la ville, pour le département. Et comme on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent des locaux, qui veulent démarrer une activité, on s'est dit, tiens, on va faire une pépinière, mais au lieu de faire une pépinière comme tout le monde, un peu orientée, nouvelle technologie, on s'est dit, ben, on va faire une pépinière plutôt tournée vers l'économie sociale et solidaire pour accueillir des entreprises qui veulent se lancer sur ces sujets-là. Les missions quotidiennes, c'est à la fois de faire vivre déjà donc la logistique. Hein, vous voyez quand même, c'est un beau bateau qu'il faut faire tourner. C'est aussi de faire vivre ce lieu avec, par exemple, les groupes scolaires de la ville. On reçoit énormément de gens qui veulent faire des événements dans la piscine. Donc aussi, on va être une usine à projet. Les objectifs, en fait, c'est d'être d'abord un lieu de vie. C'est très important, c'est un lieu de vie. Accueillir des résidents, ils partent pour continuer leur vie, puis c'est un nouveau résident qui arrive, ce serait formidable. Là, vraiment, nous, si on pouvait, si c'est ça, si c'est la vie de ce cycle de vie de la piscine qui s'impose, ce serait extraordinaire. En deux mots. Le bassin de l'innovation.